Modalité magasin participant sur intermarché.com. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Nous parlons tendinite ce matin. Oui. J'ai l'impression d'être Michel Simès. Ah ouais. Juste après les infos, on va écouter Maître Gims et nous partageons nos histoires de tendinite débiles. Bah ouais. Voilà. Ça arrive. La preuve, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'appels au standard. Ah bah tu vois, Manu, on avait raison. T'emballe pas. J'ai hâte d'écouter vos histoires. C'est juste après les infos. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Pla. Bonjour, un temps calme, ensoleillé, relativement doux pour ce vendredi sur Monaco et la Côte d'Azur. Sous un ciel tout bleu, le mercure va afficher jusqu'à 13 degrés. Il fera même encore meilleur ce week-end, toujours avec un beau soleil samedi, un peu plus mitigé pour dimanche. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. En le voyant sauveur, il sort par la petite porte. Thierry Henry a été remercié par l'ASM hier. Le communiqué de presse est tombé en début de soirée. Le club a décidé de suspendre son entraîneur après seulement 3 mois à la Turbie. Malgré, dit-il, de nombreuses tentatives, il n'est pas arrivé à faire se relever le club d'un début de saison catastrophique. Il y a pas mal de choses que j'ai relevées que vous ne voyez pas. Pas mal de choses que j'ai changées dans les vestiaires que vous ne voyez pas. Ce qui sont en train de porter ses fruits, malheureusement, il y a eu un coup d'arrêt contre Strasbourg. Donc après, c'est la loi du sport. Il y a vraiment aucun problème. Mais je tiens à souligner quand même que sur pas gagné à Caen et à Amiens, on sera doucement en retard. J'avais pas les mêmes joueurs avant pour faire ce système. J'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours des grosses surprises. Donc voilà, on va essayer de rester là. On va rester là. Et il ne croyait pas si bien dire hier lors de sa dernière conférence de presse à la mi-journée. La relève devrait se faire assez rapidement puisqu'un accord aurait déjà été trouvé pour le retour de Leonardo Jardim, lui-même déjà limogé à l'automne à cause des mauvais résultats du début de saison. Et sur le terrain, on n'oublie pas qu'il y a des matchs qui se jouent ce week-end. Dès ce soir, c'est l'OM qui ouvre la 22e journée de Ligue 1 en recevant le LOSC. Monaco jouera demain soir à Dijon. Autre club relégable, 2 points devant nous. Guingamp, la lanterne rouge, recevra Reims dans le même temps. À 20h au Cénis, accueillera Nîmes. Il y aura bien un acte 11, nouvelle mobilisation en vue pour les gilets jaunes, appelés à manifester encore une fois demain partout en France. Des rassemblements sont annoncés à Paris et en région. En parallèle, les foulards rouges prévoient aussi de défiler dans la capitale pour dénoncer les débordements des gilets jaunes. On n'en voit pas la fin là aussi. Les conducteurs de bus du réseau Zest ont entamé ce vendredi une nouvelle journée de grève, toujours pour de meilleures conditions de travail. Après le premier débrayage ce matin entre 7 et 8 heures, le second ce sera comme à chaque fois pour cet après-midi entre 16 et 17 heures. Il faudra alors faire avec un trafic fortement ralenti à nul sur une grande partie des lignes mentonaises. Big Flo et Oli refont parler d'eux avec leur nouveau clip dévoilé hier. Ils veulent savoir combien je gagne. Les deux frangins ont convoqué Soprano et Black M pour mettre en image leur collaboration sur C'est que du rap. Une vidéo à l'ancienne avec des casquettes, des chaises en or et un déluge de mots. On les voit commencer une partie de poker avant de se lancer dans un véritable battle. C'est à découvrir sur énergie.fr. Et là, tout de suite maintenant, dans vos oreilles. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous. Pardon. Désolé. Il y a certainement mieux que nous, hein. Ah bah oui. C'est sûr. Ouais, mais ouais. Hey, on a la place. C'est Manu dans le 6-9 comme chaque jour avec vous. Les moins du matin sont avec moi. Il y a Isabelle. Salut, salut. Il y a Nico aussi. Bonjour. Il y a Paulette. Hello. Il y a Glandu. En feu. On va s'écouter Maître Gims et Dadju. Et juste après, comme chaque jour pour vous, les sondages du matin. À la question, quel est l'aliment que vous refusez catégoriquement de manger? C'est la réponse la plus donnée. Ah ouais, ah, je vous dis ça juste après Dadju et Maître Gims. Mais avant ça, attention, le sujet tendinite. C'est un bon sujet, ça. On s'est aperçu avec Isabelle qu'on avait... Enfin, on pense que tout le monde a une histoire de tendinite foireuse. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'est fait une tendinite d'une façon un peu grotesque. Moi, la mienne, c'est en écrivant sur l'ordinateur, à force d'écrire, je me suis chopé une tendinite. Ouais. Isabelle, elle a appris un geste de flamenco de la main. Elle a eu une tendinite à l'épaule. Ouais. Quelle est votre histoire foireuse de tendinite, Nico? Moi, j'en ai eu une au coude. Une tendinite au coude. Parce qu'en fait, c'est en fait à force de frotter les casseroles avec l'éponge, là, la vaisselle. Oh. Mais non. Si, parce que j'aime bien quand ça brille.
Ah ouais. Et t'es sûr que c'est à cause de ça? Ah c'est sûr, parce qu'en fait mon lave-vaisselle était tombé en panne et j'ai fait ça pendant une semaine de vaisselle intensive du coup, parce que j'aime vraiment quand ça brille. Mmh. Et du coup je me suis fait une tendinite au coude. C'est pas mal. Ouais. Et après la vaisselle est revenue quoi. Non, c'est une bonne aventure foireuse. Ouais. Ouais. Tu le racontes pas à tout le monde. Et puis t'as la meilleure excuse possible pour ne plus faire la vaisselle quoi. C'est clair. Ah, c'est peut-être que là Nico nous ment, hein, qui nous raconte ça uniquement pour ne pas faire la vaisselle. J'aime pas quand ça brille. Fanny, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Salut. Tu as une histoire de tendinite étrange. Oui, alors moi pour le nouvel an, j'étais chargée d'ouvrir les vitres. J'en ai ouvert à peu près une cinquantaine et du coup j'ai pris une tendinite au poignet. Ah bah ouais. Oh. Ah ça c'est con. Ah ouais. C'est con parce qu'en plus tu peux même plus les manger après du coup, t'arrives pas à les tenir. De toute façon, je n'aime pas ça. Ah ouais, c'est sympa toi. Ah bah dis donc, t'ouvres les huîtres pour les autres. Voilà, la classe. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, pas ça. Ah bah écoute, si t'as rien à foutre à la maison, j'ai du repassage. Oh, écoute, ça va pas. Ah bah si t'aimes faire des trucs pour les autres. Bon. Pas la tendinite de toute façon. Ah, voilà. Oui, c'est bon. Merci de nous avoir appelé, Fanny. Glandu, une histoire de tendinite. Ouais, mais j'ai eu une horrible tendinite au cou. Parce que j'avais fait un appel de plus de 2 heures avec un ami, avec le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. Tu sais, comme ça, là. Mais pourquoi t'as fait ça pendant 2 heures? Parce qu'en même temps, j'étais sur mon ordinateur. Du coup, j'étais comme ça, je téléphonais, on discutait, nanana. Oh. Et après, j'ai eu une tendinite au cou horrible. Waouh. Le fameux kit main libre. Hein. Ouais, pas mal. Ah, depuis, j'ai découvert ça, ouais. Ouais. Bienvenue en 2019, aujourd'hui. Merci. Pierre, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les mamans. Toi aussi, t'as eu une tendinite un peu foireuse. Ouais, un peu foireuse. J'ai passé tout un week-end sur Tinder à swiper des profils. Et au final, j'ai une tendinite au pouce. Non. Oh, non. Hein? Non. Et si. Incroyable. Attelle pendant 10 jours. Ouais, attelle pendant 10 jours. Donc, réveillon avec l'attelle. Mais non, à ce point-là. Ah ouais. Oh, c'est... Attends, la question que tout le monde se pose. T'as réussi à conclure quand même ou... Oui. Ah. Et réveillon avec la telle, tu dis quoi au réveillon à ta famille? Mais ouais. C'est compliqué quoi. Bah, tu pour le poignet au tennis, c'est cher. Non, voilà. Mais tu leur dis la vérité comme à chaque repas de Noël. Vous me demandez tout le temps quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je vais trouver. Bah regardez, ça me fait une tendinite. Et du coup tout le monde pense que c'est à cause de la masturbation. Oh, ouais. Oh. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Que je vous raconterai plus tard. Non, c'est pas la peine. Merci de nous avoir appelé Pierre, belle journée à toi. 8h38. C'était pas mal, hein? Ouais, c'est belles histoires de tendinite. Maître Gims et Dadju, et juste après, les sondages du matin arrivent pour vous. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre ce vendredi ensemble, c'est le week-end qui arrive. C'est Manu dans le 6-9.